Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique sur un film que j'adore. C'est un putain de grand film. Ce film est Elephant Man. C'est parti. Les gens payent pour avoir le plaisir de voir votre monstre, monsieur Trix. Les gens caissent l'argent. C'est vous le monstre, c'est pas lui. C'est de mal grand. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Je suis un homme. Anthony Hopkins. Anne Bancroft. John Gielgud. Wendy Hiller. John Hurt dans le rôle de l'homme-éléphant. Une aventure bouleversante. Pour quelques pièces de monnaie, vous avez l'occasion de voir une chose que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie. Elephant Man, mon Dieu, quel chef-d'œuvre! Elephant Man est un film réalisé en 1980 par le grand et l'énorme David Lynch. Dans les rôles principaux, on retrouve Anthony Hopkins et John Hurt. Par quel bout commencer pour parler de ce film? C'est un chef-d'œuvre absolu, humaniste, très touchant. L'histoire de ce film, pour les gens qui sont parmi vous qui ne le connaissent absolument pas, mais je pense qu'on est, vous l'avez pratiquement tous vu, enfin je l'espère, mais pour les plus jeunes, je vais vous raconter l'histoire de ce film. C'est l'histoire d'un docteur, un soir, il est en train de se promener dans un freak show, il est en train de se balader comme ça entre les attractions, et d'un seul coup, il tombe sur une énorme affiche où c'est marqué, en gros, « Elephant Man ». Sa curiosité le pousse à rentrer dans cette attraction et il découvre un homme méchamment déformé. Il est au moins déformé à 90% sur son corps. Et il est touché par cette créature et il décide de le prendre et l'emmener dans son hôpital pour le soigner et lui redonner sa dignité humaine. Anthony Hopkins et John Hurt sont extraordinaires dans le film. Ils délivrent une prestation époustouflante, surtout John Hurt dans le rôle de John Merrick. Pourtant, l'acteur avait un très très gros maquillage et une très grosse prothèse en latex, mais il est époustouflant dans le rôle. Et son jeu délivre une émotion. J'ai plus de mots pour vous dire. La performance de Staster dans ce film, il est extraordinaire. Je ne comprends même pas qu'en 80, il n'a pas pu décrocher l'Oscar pour ce rôle. C'était totalement volé pour moi. Donc voilà, Elephant Man, c'est vraiment un très très beau film. Voilà, je vais vous passer un petit extrait pour les gens parmi vous qui ne le connaissent absolument pas. Mais je pense qu'en voyant l'extrait, vous allez vous ruer sur ce magnifique film qui est Elephant Man. C'est parti. Magnifique. Alors voilà, regardez ce chef-d'œuvre. C'est vraiment une des vidéos que je voulais enregistrer. Voilà, il fallait absolument que je mette une vidéo de Elephant Man dans ma chaîne. Voilà, parce que c'est un film, peut-être un des meilleurs films que j'ai dans toute ma collection. Et pourtant, j'en ai des films. Mais voilà, j'ai pris un énorme plaisir à enregistrer cette vidéo et à vous la présenter. Donc voilà, Elephant Man, à voir absolument. Absolument. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous.
Envoyez-moi des commentaires. Là, cette fois, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez d'Elephant Man. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.